Bonjour et bienvenue sur cette deuxième journée de compétition. Aujourd'hui se dérouleront les demi-finales et finales des C1 hommes, C1 dames et kayak-hommes. On aura les podiums à 14h et ensuite les qualifications pour les kayak-dames et les C2 hommes. Richard Fox, deuxième vice-président de la Fédération Internationale. Richard, qu'est-ce que tu penses de cet événement à Pau? Ben, c'est magnifique, il fait beau, les Français ont gagné les médailles, les Australiens aussi, sur un parcours difficile, mais on a vu des performances extraordinaires, avec Tony Stonguet qui gagne en C1, avec Etienne Dai en kayak, et puis Rosalind Lawrence en canoë, qui a su maîtriser un parcours, on peut dire, bien recherché. On est avec Yann Pichek, un des revendeurs sur cette Coupe du Monde. Yann, qu'est-ce que tu penses du site? C'est un des plus belles sites ici en France. C'est toujours très bien de pouvoir venir ici. On est bien accueilli plutôt. J'ai déjà des expériences avec la Coupe du Monde en 2009. Je pense que depuis, en fait, c'est encore amélioré. On est bien ici. C'était Nouria. À demain avec Katrina Hochkova, la médaillée d'argent de cette Coupe du Monde en canoë monoplace dames. Navidela usitra.